Yes, sir, c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais m'introduire, puis après ça, je vais introduire la belle Natacha qui va venir vous parler en premier, en fait, si on veut. Donc, je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 31 ans, bientôt 32. Oh my God, je suis rendue vieille. Fait que 31 ans, bientôt 32, ça fait 4 ans et demi que je fais la business de It Works. Ça fait 4 ans et demi que je travaille très fort. Je suis au rang de triple diamant avec la compagnie. Là, je sais qu'il y en a des nouvelles. Là, fait que vous connaissez peut-être pas encore tous les ranks, mais ça va venir. Fait que voilà, nous ce soir, ce qu'on veut faire vraiment, c'est vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on commence avec It Works, où on se dirige. C'est quoi les expressions? C'est quoi les abréviations? Parce qu'au début, là, il y a tellement d'informations que c'est normal que vous soyez un petit peu perdu. Fait que notre but à moi et Natacha ce soir, c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Puis à la fin, on va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les écrire aussi dans la petite conversation du Zoom. Gênez-vous pas. Fait que est-ce que vous êtes en feu? Hey, vous êtes trop hot. Hey, moi, je suis contente, je suis énervée. Je suis énervée, c'est parti. Nat, elle est cernée jusqu'ici, tu sais. Fait que, voilà. Fait que, je vais vous introduire ma belle Nat. La belle Nat, c'est ma coach. C'est elle qui m'a enrôlée il y a 4 ans et demi. Et je vais la laisser se présenter. Puis Nat, elle va vraiment vous parler de tout ce qui est au début, le pourquoi, tout ce qui est le e-suite, notre site web, c'est quoi CF, DT, BV, etc. Fait qu'on va tout démêler tout ça. Fait que, vas-y, Natou, je te laisse parler. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là, de faire un zoom de formation. Salut Marie! Marie-Pierre. Est-ce que c'est Marie-Pierre qui disait salut? En fait, moi, c'est Natacha. J'ai 32 ans, donc moi, je suis vieille. Marie s'en vient vieille. Moi, je suis déjà vieille. C'est ça qui arrive. Mais oui, moi, en fait, je suis dans la compagnie depuis 4 ans et demi. Littéralement, It Works, ça l'a changer ma vie comme pas possible. J'étais conseillère ressources humaines, donc j'ai un bac en gestion des ressources humaines. Quand j'ai commencé cette compagnie-là, j'étais endettée à plus finir 70 000 $ de dette, plus une maison, plus deux véhicules. J'avais comme pour 2 000 $ par mois seulement en paiement minimum. C'était vraiment ridicule. Puis, je me suis dit, avec cette business-là, je vais foncer, je vais y aller all-in. On a réussi à éclairer nos dettes. On a réussi à avoir des immeubles en immobilier. On a passé l'hiver passé en Floride, donc 3 mois en Floride. Ça a juste vraiment tout changé. Fait que de là, l'importance d'avoir un « why ». Fait que c'est ça que je vais vous parler aussi aujourd'hui. Quand on commence cette business-là, c'est sûr qu'on commence pour une raison, on va se le dire. Il y a une raison derrière ça. On ne commence pas comme juste comme ça, sans raison particulière, juste pour l'essayer. Soit qu'on veut payer des dettes, soit qu'on veut être plus présente pour nos enfants, soit que, je ne sais pas moi, on veut voyager plus souvent, avoir un peu plus de lousse pour payer notre hydro, notre gaz. On veut avoir moins de stress. Donc, ça peut être tellement de raisons. Et notre why va évoluer. Donc, quand on va commencer, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je voulais juste pouvoir aller mettre du gaz sans stresser parce que je mettais tout le temps du gaz à coût de 10 $ parce que j'avais tout le temps peur de ne pas avoir assez d'argent dans mon compte de banque. Fait que je mettais 10 $ puis là, j'allais travailler, puis là, je me rendais tout le temps à comme quasiment plus de gaz. Fait que c'était comme mon premier objectif, c'était vraiment de pouvoir mettre du gaz sans stress. Fait qu'on a vraiment tous des objectifs différents. Mais de là l'importance d'en avoir un parce que veux, veux pas, c'est une entreprise. On va avoir plusieurs défis. On va devoir sortir de notre zone de confort. On va devoir travailler. Fait que si on le fait sans but précis, c'est comme facile de se décourager parce qu'en fait, on n'a pas de but. On n'a pas de but. Fait que quand on fait quelque chose puis qu'on le fait sans but, ben, on ne va pas se pousser, on ne va pas aller au maximum de nos capacités. Fait que c'est comme super important de noter notre why, notre pourquoi. Puis si vous êtes capable de le noter comme quelque part dans la maison, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je l'avais mis sur mon frigidaire. Fait qu'à chaque fois que j'allais dans ma cuisine, à chaque fois que j'étais dans mon frigidaire, je voyais c'était quoi mon objectif avec la compagnie. Puis même encore aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, comme là, je suis en déménagement, mais je suis à ma table de cuisine, mais j'ai encore mes objectifs sur mon tableau dans ma cuisine. Puis ça fait 4 ans et demi que je suis dans la compagnie, puis
mes objectifs ont vraiment évolué, mais j'ai encore, à chaque année, je mets mes objectifs pour l'année, je mets ma vision, je mets qu'est-ce que je veux accomplir, parce que c'est important de le visualiser, c'est important de le mettre de l'avant, parce que quand on le met de l'avant, bien, on va travailler en conséquence pour se rendre là. Donc, c'est super important. Donc, posez-vous la question, puis si vous voulez commenter dans les commentaires, nous dire un peu c'est quoi votre why, pourquoi est-ce que vous faites cette business-là? Est-ce que c'est pour passer plus de temps avec vos enfants, avoir un peu plus de lousse financièrement, payer des dettes, pouvoir voyager après la COVID? Parce qu'on va se le dire, on a tout un thirst pour la liberté là, en ce moment. Là. Moi, en tout cas, je sais juste que aussitôt que je peux recommencer à voyager, je sac le camp. Fait que je ne sais pas pour vous, fait que oui, Marie a sa maison au Mexique ou au Costa Rica. C'est depuis jour 1 qu'on sait que c'est ça qu'elle veut accomplir. Puis tu sais, c'est possible. C'est ça qui est beau, c'est que c'est tellement possible. Tu sais, comme je dis, moi, j'étais endettée là, comme par-dessus la tête là, sur le bord de vendre ma maison parce que j'avais hâte de la payer. Puis je suis en processus pour acheter une maison locative en Floride. On s'entend, là, il y a 4 ans, j'étais endettée par-dessus la tête. Fait que tu sais, une maison au Mexique, Costa Rica, why not? Comme on peut accomplir n'importe quoi si on le met dans notre tête puis qu'on fonce vers ça. Fait qu'en gros, ça, c'est pour le why. Je ne sais pas, Marie, si tu veux continuer avec... Ah, ben moi, je pensais que tu y allais comme, mettons, les... Ah, OK! Yes, je pensais qu'on s'alternait. Oh, okay. Ça ne me dérange pas, mais je peux rajouter quelque chose pour le pourquoi, par exemple. Oui, vas-y. Parce que oui, je le dis tout le temps au début, c'est super important. Puis moi aussi, j'ai mon dream board. Puis à chaque année, ben tu sais, moi, je me lève le matin et je le vois, là. Tu sais, je vois mes objectifs sont là, sont dans ma face. Puis à chaque année, c'est sûr que vous allez évoluer, votre business va évoluer, vos objectifs, peut-être que, ben justement, vous allez en avoir déjà accompli. Fait que ça va être le sentiment de fierté aussi. Oh my God! J'ai été capable de faire ça avec cette business-là. Puis, tu sais, votre pourquoi, là, c'est pas obligé de vous acheter une Mercedes l'année prochaine puis de vous acheter la maison à 1 million. C'est pas obligé d'être ça. Ça peut être parce que vous voulez simplement être bien dans votre vie. Vous aimez les produits, ça peut être ça. C'est vous voulez être en meilleure santé, vous voulez avoir la santé optimale puis aider le plus de gens possible. Tu sais, ça peut être tellement de choses, le pourquoi. Puis ça peut être d'aider d'autres personnes aussi. C'est tellement important de l'écrire. Fait que notez-le. Puis comme Nat a dit, mettez-le vraiment dans votre visage chaque jour parce que c'est vraiment puissant cet outil-là. Maude a dit « Cheminement personnel, aussi le paiement de dette et de pouvoir enlever le stress financier qui pèse. » Honnêtement, tu es dans le meilleur business pour faire ça. Vraiment. Surtout, point 1, le cheminement personnel, welcome aboard! C'est parfait! C'est super! Puis les dettes, bien sûr, ça c'est sûr et certain. Puis tu sais, on va vous expliquer un petit peu tantôt les techniques qu'on emploie, nous, chaque mois pour que ça roule. Puis go for it, on fonce. Fait que vas-y, Nat, je te laisse aller sur e-suite, CFDT, BV. Et est-ce que je vais être capable de partager? Ouais, peux-tu me laisser partager mon écran? Oui, je vais te nommer animatrice. Voilà. OK. OK. Donc, Tessa, OK. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, le e-suite? Je vais juste enlever ça. OK. Donc, ça, c'est votre logiciel de gestion. Vous avez comme 2 façons de vous connecter directement à votre e-suite. Pour se connecter, c'est soit votre courriel ou votre numéro de distributeur. Donc, si vous êtes nouvelle, c'est probablement un 7 ou un 7-1 quelque chose ou un 6-9 quelque chose. Fait que vous l'écrivez et votre mot de passe, ou sinon, vous pouvez vous inscrire avec votre courriel. Donc, soit que vous allez sur votre site web avec It Works bon, là, je ne sais pas pourquoi, c'est long. OK. Et que vous allez dans Login ou Connexion, là. Moi, je laisse tout le temps ça en anglais, puis vous mettez votre numéro de distributeur ou votre courriel avec votre mot de passe, puis ça va vous apporter ici, ou moi, je passe toujours directement e-suite.itworks.com, puis je me connecte ici. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la plateforme e-suite. Vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec ça. La plateforme est totalement gratuite le premier mois et à partir du deuxième mois, c'est 31,04 $ par mois, qui est un déductible d'impôt. Ce n'est pas une obligation de l'avoir. Personnellement, moi, je le considère
j'essaye quand on est rendu avec une petite équipe. Je trouve que quand on n'a pas d'équipe, c'est pas tellement nécessaire. Donc, vous pouvez le désactiver. Je vais vous montrer où aller. Là, je vais le mettre en français, que ce soit plus simple pour vous. Donc, si vous voulez désactiver votre issue, votre premier mois va être complètement gratuit, puis après, il va se désactiver tout seul, mais même une fois désactivé, vous avez plusieurs onglets que vous pouvez quand même utiliser. C'est juste que vous allez en avoir certains qui ne seront plus utilisables, mais si jamais vous voulez les débloquer, vous pouvez juste réactiver votre issue, payer le 31,04 $ et ça se réactive automatiquement. Donc, si on veut le désactiver, on va aller dans réglages, on va aller dans abonnement. Excusez, mon Internet, il a l'air vraiment lent. Et on va aller dans « Annuler », ici. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, vous pouvez l'annuler directement comme ça. Donc, c'est super simple. Puis, yeah, comme là, mettons que je l'annulerais aujourd'hui, bien, le 26 mai, ça se désactiverait. Puis, j'aurais pu accéder à l'onglet « Commission »,« Rapport »,« Bibliothèque de documents »,« Training Academy ». Les commandes automatiques, réglages, commandes et assistance restent toujours actifs. Donc, vous avez toujours accès à ces onglets-là. Fait que là, en gros, dans le e-suite, vous avez l'assistance, que ça, c'est si jamais vous devez envoyer un ticket ou quoi que ce soit, vous avez une problématique ou que vous avez des questions que nous, on ne peut pas répondre, mais moi, j'ai une adjointe dans la compagnie. Donc, habituellement, si vous avez quelque chose qui est un peu plus touché, vous allez aviser Marie-Soleil ou votre upline. Puis, ils vont vous faire m'envoyer un courriel pour que je l'envoie à mon adjointe. Puis, habituellement, ça serait comme ça. Donc, habituellement, vous n'avez pas vraiment besoin de faire d'étiquette, là, à moins que, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien rare que vous allez avoir à l'utiliser vu que j'ai une adjointe qui peut vous aider. Par la suite, vous avez le Training Academy. Donc, si vous voulez pousser encore plus votre formation puis que vous en voulez encore plus que ce que vous avez sur Team One Machine, que vos uplines vous offrent, et vous pouvez venir ici. Puis, vous avez comme plusieurs onglets de choses que vous pouvez écouter des vidéos, télécharger des PDF, etc., etc. Et à chaque fois que vous avancez dans la compagnie, vous débloquez des sections. Donc là, vu que vous êtes au début, vous êtes dans les newbies. Là, si vous arrivez à Ruby, vous allez débloquer celui-là, Diamond, celui-là, et Triple Diamond, celui-là. Donc, par la suite, vous avez toujours des formations supplémentaires. Par la suite, si jamais vous voulez vous passer une commande à vous, donc une commande personnelle, vous pouvez juste venir ici, puis ajouter vos produits dans votre panier et passer votre commande. Donc, c'est vraiment super simple. Là, c'est vraiment pour vos commandes personnelles. Dans les réglages, on a bien, vos informations personnelles. Bon, ça, c'est mon adresse. Là, ça n'a pas rapport. non, ça non plus. Non, j'ai accroché plein d'affaires. OK. Site web. Ce site web, vous pouvez toujours changer votre nom. Donc là, moi, j'ai NCB, là, c'est bien plate, là, mais je l'ai changé une couple de fois. Mais vous pourriez mettre, tu sais, je sais que j'ai des filles de l'équipe qui, eux, ont toutes des affaires qui ont rapport avec la santé, genre mon équilibre, santé, remise en forme, whatever. Fait que vous pourriez juste changer ça pour que ce soit à votre image, puis faire sauvegarder. Puis votre site web va devenir ce qui va être affiché ici. Donc, c'est pas parce que vous avez quelque chose que la compagnie vous a attribué automatiquement, que vous devez garder ça, vous pouvez vraiment le modifier. Par la suite, vous pouvez mettre une belle petite photo. Ça, c'est moi avant la COVID. Je suis capable. Quand je m'arrange, chose que je ne fais plus. Mais bref, ça, c'est ça. Après ça, vous pouvez mettre votre Facebook. Donc, quand les gens vont être sur votre site web, il va avoir une petite bulle Messenger. Puis les gens vont pouvoir communiquer avec vous directement dans Messenger. Ça, c'est bien cool. Fait que vous pouvez le faire ici. Et si vous voulez, là, vous pouvez remplir là, des questions comme ça. Là, vous avez une petite page explicative. Là, donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez faire ça. Puis c'est pas mal les petits trucs importants ici dans réglage. Après ça, vous avez les commandes automatiques. Si jamais vous voulez vous mettre une commande automatique, vous pouvez venir ici directement et faire créer une nouvelle commande automatique et vous ajouter des produits. Donc, vous avez deux façons de vous qualifier à la commission. Donc, vous pouvez vous qualifier à la commission avec un autochip de 80 BV minimum ou
vous pouvez vous qualifier à la commission avec 150 BV de volume de vente, donc qui proviennent de clients ou d'un achat personnel. Mettons que vous avez 120 BV de volume client, puis que vous avez un volume de 30 BV que vous avez acheté, bien, vous allez vous qualifier à la commission. Donc là, vous vous dites sûrement, c'est quoi des BV? Parce que peut-être que vous ne savez même pas c'est quoi des BV, puis je vous parle c'est quoi des BV. Des BV, c'est le volume de vente. Donc, chaque produit a une valeur. Donc, ça n'équivaut pas au prix exact, parce que mettons qu'on regarde le Keto Tea, coûte 63 $, mais ça équivaut à 30 BV. Parce que ça équivaut comme au prix US. Nous, c'est une compagnie américaine, donc on a le prix US, après c'est converti en canadien, puis on est payé aussi de la même façon, on est payé en US converti en canadien. Fait que c'est quand même bien parce que la conversion est à 1,34. Fait que win pour nous autres. fait que les BV, vous allez voir, c'est au début, ça a l'air d'être chinois, là, mais c'est juste vraiment du volume de vente. Vous allez, à force d'être dans la compagnie, vous allez vous habituer à calculer vos BV parce qu'au niveau de la structure et tout ça, on a besoin du volume de vente. Donc, ça, c'est ça pour ça. Est-ce que c'est quand même clair au niveau des BV? Oui, c'est correct? OK, parfait. Juste être sûr. OK, donc la commande automatique, c'est juste ici. Donc, vous pouvez vous mettre ça. Moi, j'ai toujours une commande automatique, mais si vous êtes nouvelle, vous allez vous qualifier aussi avec vos ventes. Donc, c'est pas nécessairement une nécessité, à moins que vous voulez vous commander des produits pour vous. Parce que je sais que moi, quand j'avais commencé, je m'étais commandé le wrap, les greens, il y avait des produits que je voulais essayer. Donc, je m'étais commandé à mes tout débuts pour pouvoir en parler. Vous avez vraiment quelque chose de cool que moi, j'avais pas quand j'ai commencé. Lorsque vous avez vos 6 premières clientes dans votre 30 premiers jours, la compagnie va vous donner un 200 $ de magasinage. Donc, vous allez voir, vous achetez pour 200 $ de produits gratuits. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'avais pas ça dans mon temps. Fait que justement, je me suis acheté des wraps, je me suis acheté des greens, tout ça. Mais vous, avec vos 6 premières clientes dans votre 30 premiers jours, la compagnie va vous mettre un petit crédit de 200 $ en plus de faire la commission sur vos ventes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous allez pouvoir essayer comme 4-5 produits. Donc, je vous encourage vraiment là, à mettre les efforts là, pour aller chercher ce 6 clients-là parce que ça va vous donner une longueur d'avance. Vous allez pouvoir essayer plusieurs produits. Déjà que dans votre franchise de départ, vous avez le café et les wraps. Là, si vous avez le 200 $, mais là, vous pouvez aller chercher comme d'autres produits. Ça vous donne vraiment un avantage de connaître plusieurs produits puis de pouvoir en parler. Donc, ça, c'est ça pour ça. Par la suite, on a la bibliothèque de documents. C'est vraiment juste des documents. Bref, quand on est nouvelle, habituellement, on ne va pas fouiller là-dedans, mais quand on veut avoir plus de spécifications sur les bonus ou des choses comme ça, bien, on peut tout aller chercher les informations ici. Là, mon issue de bug. OK. Par la suite, on a les rapports. Donc, les rapports. C'est ici qu'on va être capable de voir les informations de nos clients. Bon. Donc, on voit les informations de nos clients. Là, mettons, tous nos clients sont ici, etc. Là, on peut cliquer dessus, blablabla. Bref, là, on voit nos distributeurs. Ça, c'est en noir. En bleu, c'est nos clients. Donc, ça, c'est génial pour ça. Et on a les commissions. On va vous montrer. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je vais arrêter de partager mon écran. OK, parfait. Donc, ça, c'est ça pour les suites. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Marie, tu voulais-tu que je rajoute quelque chose par rapport aux suites? Non, je pense que c'est parfait. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je pense en chaque bloc, on va répondre aux questions. Écrivez-les dans le petit chat ou sinon, vous pouvez vous démuter. Il n'y a pas de stress. Ah, mais il manque une petite affaire. Et j'aurais aimé vous montrer comment signer une cliente fidèle ou une distributrice. Donc, quand vous êtes sur votre site web, pourquoi j'ai écrit ça? Ça va bien par rapport. OK. OK. Donc là, je suis sur mon site web. Mettons là, que vous avez quelqu'un qui veut devenir votre cliente et qu'elle veut acheter le Pick 2, Pick 3. Donc, super simple. Vous allez juste aller sur votre site web comme ça. Et vous allez aller dans, c'est vraiment un même style que genre Amazon. Là. C'est super easy. Mettons que la personne a le Thermofight. Donc, on va aller dans Thermofight. On va faire ajouter.
Donc, c'est ajouté au panier. Et mettons que la personne elle veut combiner ça avec la détox. Bon, on a la détox ici. Ajouté au panier et on fait check-out. Rendu ici, on fait s'enregistrer à l'autoship pour pouvoir avoir le 40 % de rabais du client fidèle. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi un client fidèle? Oui? OK. Mais je vais vous l'expliquer quand même parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. OK. Un client fidèle, c'est nous, en fait, avec ItWorks, on a comme deux possibilités de clients. On a un client au détail, on a les clients fidèles. Donc, on a les clients au détail que eux, ils vont payer le plein prix, ils vont acheter une fois et par la suite, ils peuvent racheter, mais bref, ils n'ont aucun engagement, rien. Par la suite, on a les clients fidèles que, honnêtement, moi, c'est juste ça que j'ai. C'est des clients fidèles. C'est des gens qui vont acheter un produit par mois pendant 3 mois et ça va leur donner un 40 % en partant sur leur produit. Mais pas juste ça, on a vraiment un beau programme d'avantages clients fidèles. On va vous mettre, j'aime bien envoyer l'image, là, les filles, si vous voulez le mettre dans la conversation, l'image là, de, qui explique, là, je trouve que c'est mieux que plein de mots. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand c'est détaillé. Donc, on a 3 programmes clients fidèles. On a clients fidèles. Ça, tous les clients commencent en étant clients fidèles, donc en ayant 40 % de rabais sur leur commande, avec des petits avantages pour les fêtes et ces choses-là. Puis, par la suite, on a le client Gold et le client Platinum. Donc, c'est vraiment divisé. Marie, elle va vous envoyer l'image. Donc, vous allez vraiment voir tout ce que le client débloque lorsqu'il devient Platinum, lorsqu'il devient Gold. Donc, c'est vraiment un super beau programme, un peu dans le même style de Costco. Tu sais, Costco, tu commences, tu as comme ta petite carte blanche, puis quand ils voient que tu dépenses quand même beaucoup puis que tu es un client fidèle, bien, ils vont te proposer d'avoir la carte noire parce que ça, tu vas comme débloquer un 3 % je pense, de plus en retour, whatever. Fait que c'est un peu le même principe. Nous, on a des clients qui vont acheter beaucoup, fait qu'ils vont débloquer plus de cadeaux comme des shippings gratuits, comme un 25 % supplémentaire sur chaque commande, etc., etc. Donc, ça va leur donner de plus en plus de cadeaux. Non, tu vas l'envoyer dans la convo parce que je ne suis pas capable de la mettre. Okay. Oui, c'est ça. Envoie-la dans ta conversation d'équipe. Comme ça, tout le monde va le recevoir. Puis c'est ça, le client fidèle, moi j'ai ce temps, c'est pas un contrat de mariage là. C'est dans le sens que le client, il peut acheter un produit aujourd'hui, puis la seule chose, c'est qu'il doit racheter 2 produits dans l'espace des 4 prochains mois. Donc il peut acheter aujourd'hui, le mois prochain, le client il dit écoute, ce mois-ci, il me reste encore pas mal de produits, est-ce qu'on peut repousser de quelques semaines? Il n'y a pas de problème, on est capable de le faire. C'est juste que s'il commande au mois de mai, bien, il doit commander 3 mois de produits avant le mois de mai, juin, juillet, ou avant le mois d'août. Donc, on a mai, juin, juillet, où il peut sauter un mois, commander 3 fois là-dedans. That's it, il n'y a pas de minimum, là, dans le sens qu'il peut commander un produit. C'est juste qu'il ne peut pas commander, mettons, une gourde. C'est vraiment un produit. Là. C'est soit ça peut être la crème, ça peut être les greens, ça peut être whatever. Mais ça, c'est un programme qui vaut super la peine. Puis, comme je vous dis, avec les achats, bien, ils vont même débloquer des choses comme le shipping gratuit et des choses comme ça, puis ça vaut vraiment, vraiment la peine. Les clients vont préférer le programme de clients fidèles parce qu'ils vont avoir même 40 % de rabais dès le début. Donc, moi, je le ramène toujours comme ça. C'est vraiment, c'est stress-free, là. Il y a pas de, c'est pas stressant pour eux autres. Fait que ça, c'est ça pour le client fidèle. Donc, ils vont s'inscrire comme ça à l'autoship. Donc, en s'inscrivant à l'autoship, ils vont devenir clients fidèles. Si jamais ils décident d'annuler avant le 3 mois soit terminé, il y a un frais de 60 $ qui est chargé. Mais honnêtement, c'est très rare que ça arrive parce qu'il y a des produits qui coûtent moins cher que ça, fait que ça vaut juste plus la peine de prendre un produit à la place d'annuler. T'sais. Au moins, tu as quelque chose en retour. Donc, ça, c'est ça pour ça. Donc, ça, c'est ça pour inscrire un client fidèle. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même simple pour vous? Le processus d'inscription de client fidèle, parfait. Puis si vous voulez inscrire une distributrice, c'est le même principe sur votre site web. Devenir un distributeur. Et on rentre les informations. Excusez-moi, mon Internet est très lent. On rentre les informations.
et on devient distributeur. Donc, aussi simple que ça, si les gens sont sur votre site web, ils vont être vraiment dans votre équipe. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Les produits n'ont pas rapport, c'est parce que je les avais mis dans mon panier. Fait que ça, c'est ça pour ça. Et au niveau du client fidèle, je vous explique un peu c'est quoi. Et au niveau du distributeur, c'est vraiment différent. Donc, on a les clients, que eux, c'est vraiment les gens qui vont consommer les produits. Ils ne vont pas vendre, ils ne vont pas parler de la compagnie. Ben, ils vont peut-être en parler, ça se peut. Là. Moi, des fois, j'ai des clients qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais ils vont vraiment être des consommateurs. Donc, ça, c'est des clients. Ils n'ont pas d'argent avec la business, ils consomment les produits. Voilà. Après ça, on a les distributeurs que eux, ils vont vraiment travailler avec vous. Eux, ils vont faire la promotion des produits sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir un travail un peu comme vous, du style influenceur. Donc, ça, c'est vraiment un distributeur. Puis, quand on a un distributeur, bien, il y a moi, je l'explique vraiment comme, c'est comme avoir des reps sur la route avec Bell. Okay? C'est comme si tu trouves une franchise de Bell, puis que là, toi, tu travailles ton 20 heures semaine avec Bell, puis là, tu fais des ventes dans ton 20 heures semaine, puis etc. Tu vends pour comme, je ne sais pas moi, 300$ par semaine de forfait cellulaire, etc. Puis ça te donne ton revenu. Bien là, quand tu as un distributeur, c'est comme si tu avais une duplication de toi-même. Donc, tu as une personne qui est dans ton équipe, tu as un rep sur la route que lui aussi fait un autre 20 heures. Donc, toi, tu fais 20 heures, puis cette personne-là fait 20 heures, fait que tu es rendu que c'est comme si tu faisais 40 heures. OK? Fait que là, c'est là que ça vaut vraiment la peine parce qu'on est plusieurs personnes à travailler ensemble. Puis là, ton 20 heures devient 40 heures. Puis quand tu es rendu avec 10 distributeurs, que ces 10 personnes-là font 20 heures, bien là, tu es rendu que toi, ton entreprise, elle travaille 200 heures par semaine. Fait que tu sais, c'est de même que ça devient de plus en plus avantageux, puis on travaille tout dans le même sens. C'est une entreprise qui est très axée sur le travail d'équipe. Donc, si toi, ton entreprise va bien, l'entreprise de la fille avec qui tu travailles va bien, puis ta partner, puis tout le monde, on travaille tout ensemble vers le même objectif. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Puis vous pouvez dépasser votre upline, il n'y a pas d'affaire de pyramide ou whatever. Là. Vous pouvez toujours surpasser n'importe qui est en haut de vous. Là, ça n'a vraiment aucun lien. Vous travaillez votre business, puis le cœur que vous mettez dans votre business va être le résultat de vos efforts. Donc, c'est vraiment axé là-dessus. Donc, ça, c'est ça pour ça. Et quand vous avez une nouvelle distributrice, quand vous l'aidez, justement, vous la formez, vous donnez du temps. Vous pouvez aussi, il y a des façons de transférer des clients, aider à signer des clients. Moi, ce que je fais beaucoup avec mes nouvelles, ils m'envoient des screenshots. Je vais aider dans les conversations, dans les premières conversations avec les clients. Fait que ça va aider à signer des premiers clients. À chaque fois que ta nouvelle distributrice va signer un deux clients, donc si elle signe deux clients, tu vas faire un 67$ de bonus. Un autre deux clients, un autre 67$ de bonus, puis un autre deux clients, un autre 67$ de bonus, jusqu'à un maximum de 200$. Donc, quand ta distributrice signe ses 6 clients, bien, elle a fait 200$ de magasinage en boutique, plus c'est comme ça, puis toi, tu fais un 200$ de bonus pour le temps et la formation que tu as mis avec ta distributrice pour justement qu'elle puisse réussir sa business. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui? OK, génial. Donc, est-ce que vous avez des questions, Marie? Tu voulais-tu que je rajoute quelque chose? C'est parfait. La seule affaire que je rajouterais, Nat, c'est excellent. Honnêtement, tu as même donné des affaires que moi, je n'aimais même pas. Quand je formais, je vais le faire, j'ai noté. Merci. C'est parfait. Non, je veux juste que les gens comprennent quand on dit une CF, une DT. Ça veut dire client fidèle pour CF, mm-hmm. Puis DT, c'est distributeur. Parce que je sais, au début, moi, j'étais mêlée. Là. Nat, elle me disait, ah ben là, ah ouais, tu as combien de CF potentiel? Une quoi? Ben, je ne comprenais vraiment rien. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais absolument le dire. Fait que voilà, avec les questions, gang! Gênez-vous pas. Je pense que c'était quand même clair, Nat, ton affaire. C'est bon. Fait que Marie, je te laisse. Puis j'ai remarqué que tu n'avais pas mis board dans. Non, c'est vrai, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de magans qui l'utilisent. C'est pourquoi je ne le mets plus de l'avant, parce que je n'ai même plus accès au mien. Oui, c'est ça. Mais tu peux en parler, Nat, si tu veux. Je sais qu'il y a de mes filles, mon board, ils peuvent le partager. C'est juste que moi, je ne le vois plus. Oui. OK. Ben, en tout cas, je vais te laisser aller. Bon. C'est correct. Mais anyway, je te dirais que tous les textes qu'on utilise, nous,
on les donne aux filles. T'sais, on okay. les partage beaucoup, beaucoup. Fait que, mais oui, Board, by the way, je vais le noter, je vais le dire. C'est quoi? Board, c'est une application, gang, qu'on utilise avec des remplacements de texte. Fait qu'on a toutes déjà fait des textes pour expliquer comment on approche quelqu'un pour un host to post, comment on approche quelqu'un pour expliquer c'est quoi le super red, le cleanse, tout est là. Tout est là. Fait que je vais essayer de revoir mon board, ça serait vraiment nice. Puis j'ai travaillé fort dessus en plus. Mais si jamais vous voulez mon lien, vous pouvez demander à Marie-Pierre ou Paige ou peut-être qu'Émilie, tu l'as, je ne sais pas. Mais vous pouvez demander à votre leader, là, sûrement qu'il est capable de vous le partager, mon board, sans problème. Fait que voilà. Fait que Natou, merci beaucoup. C'est parfait. Moi, je vais continuer, gang, sur... vous m'entendez bien, hein? OK, parfait. Je vais continuer sur trois choses, OK? Parce que là, vous avez su un petit peu plus le technique, là. C'est quoi, comment on signe une cliente, c'est quoi une CF, non. Là, je vais vous parler tout de suite. Je ne sais pas si c'est déjà fait, parce que je sais qu'il y en a qui ça fait quelques jours, quelques semaines qui sont là déjà. Si vous n'avez pas fait votre liste de mariage, ça va être le temps de le faire. C'est quoi, c'est une liste de mariage? Une liste, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle une liste de potentiel, une liste de mariage. Au début, on appelait ça une liste de 100. Mais 100, là, quand on commence, ça peut avoir de l'air gros. Fait que moi, ce que je vous donne comme défi ce soir, de vous prendre un cahier vraiment consacré à votre business. Dedans, vous pouvez mettre des séparateurs. Moi, mon cahier il est séparé, puis j'ai un agenda, puis un cahier à part. Vraiment, vos clients potentiels, vos distributeurs potentiels, vos host-to-post, parce que là, si vous ne savez pas c'est quoi un host-to-post, je vais vous en parler tout de suite après. Fait que vous allez pouvoir voir justement c'est qui vos potentiels, qui vous connaissez autour de vous. Fait que là, ce que je vous donne comme premier devoir ce soir, si ce n'est pas déjà fait, votre liste de mariage, donc liste de 100. Qui on met sur cette liste-là? Ce n'est pas des gens nécessairement à qui on a déjà parlé, qu'on s'était lancé en business, OK? Mais ça peut être des gens autour de vous. Fait que ça peut être votre mère, votre père, vos cousins, cousines, frères, sœurs, dans le fond, les gens que vous le savez, que vous voulez absolument contacter pour annoncer votre aventure, pour annoncer votre nouvelle business. Fait que super important d'écrire sur une feuille vraiment dans votre cahier qui sont les personnes que vous voyez autant peut-être comme clients ou comme distributeurs ou vous aimeriez ça travailler avec eux. Parce que oui, vous avez sûrement des noms qui vous ont popé en tête. Fait que pour ne pas les oublier, écrivez-les sur votre liste. Vous pouvez même écrire à côté, elle, peut-être qu'elle serait intéressée pour tel produit. Ou, oh, elle serait peut-être intéressée par la business éventuellement. Fait que nous, après, on va vraiment vous donner des outils, des trucs pour aller contacter ces personnes-là. Puis souvent, ce qu'on fait au début quand on commence, on l'annonce à nos gens autour de nous. Il y a deux choses qui peuvent arriver quand on l'annonce aux gens autour de nous. Soit qu'ils ne nous encouragent pas, ou soit qu'ils nous encouragent. Fait que dans les deux cas, on s'en fout. C'est parfait. Parce que savez-vous quoi? Moi, quand j'ai commencé, là, il y a 4 ans et demi, j'ai commencé, moi, j'avais une job, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours parce que je ne l'ai pas fait au début. Moi, j'étais une fille de carrière, de gestion marketing. Je gérais des équipes dans des agences à Montréal. On avait des gros clients. Okay? Moi, j'étais une fille qui a tout le temps travaillé dans le domaine des médias, des communications, etc. Quand j'ai annoncé à mes parents que je me lançais dans le marketing de réseau. Ils pensaient que je niaisais, premièrement. Ils pensaient vraiment que je niaisais. Puis ils pensaient que c'était Tupperware. Genre, j'ai rien contre Tupperware, là, mais c'est parce que là, ils étaient comme, OK, ma fille, il t'a vraiment pété un plomb, là, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai dit non. Puis quand j'ai expliqué que c'était pour ma santé, ils ont comme changé d'idée tout de suite. Fait que stressez pas avec les gens autour de vous, là, OK? Puis là, je vous mets en situation rapidement, puis ils m'ont encouragé rapidement, là, mes parents, honnêtement, vraiment, ma famille aussi. Mais juste vous dire, c'est normal au début qu'il y ait des gens qui vous posent des questions, qu'il y ait des gens qui soient réticents peut-être par rapport à vos projets, à votre business, c'est normal, ils ne connaissent pas ça. Fait que stressez pas avec ça. Et je peux vous garantir, gang, il y a des gens qui m'ont dit non, il y a des gens qui ont ri de moi au début, qui pensaient que je n'allais pas faire ça tout le temps. Puis je vous le garantis, je vous jure, sur la tête de ma famille, ils ont tous signé. Sont tous devenus distributeurs, puis ils ont tous acheté des produits. Toute la gang. J'ai même signé l'oncle de l'autre, la cousine de ci, parce que là, ils ont vu que j'étais sérieuse, que j'utilisais mes produits, puis que ma business était incroyable. Fait que croyez en ce que vous avez entre les mains, OK? Fait que faites votre liste de mariage, vraiment, n'importe qui, mettez qui vous voulez. Ça, c'est les gens que vous savez qui vont être à votre mariage. OK?
les gens que vous allez inviter à votre mariage, ça, c'est les premières personnes qu'on va contacter pour annoncer votre nouvelle aventure. Fait que premier devoir pour ce soir. Ensuite de ça, quand on commence avec It Works, Nat, tu l'as dit tantôt un peu le fast start, hein? Oui, tu l'as expliqué, mais tu as dit 200 $ de produit. OK. Quand on commence avec It Works, on a un premier objectif qu'on appelle, c'est d'aller trouver nos 6 premiers clients fidèles. Ça, on a 30 jours pour le faire. Fait que à la date que vous vous êtes inscrit, jusqu'aux 30 jours après, dans le fond, vous avez 30 jours pour atteindre vos 6 premiers clients. Quand vous avez vos 6 premiers clients, premièrement, vous faites déjà des sous, je vous l'annonce, parce que vous avez 6 clients, on s'entend. Fait que là, c'est déjà rentable, votre business, ça roule déjà. Fait que vous avez déjà vos 6 clients et en plus de ça, It Works vous donne 200 $ de produits. Fait que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Fait que c'est débile. Premier objectif, mettez-vous ça en tête. OK, je m'en vais chercher mes 6 premiers clients fidèles. Ça va vous craquer. Puis là, la question qu'on nous pose souvent quand on commence, quand vous commencez, whatever, c'est OK, c'est bien le fun d'aller chercher 6 clients, mais je fais ça comment? Je m'y prends comment? Je fais quoi? Je contacte-tu du monde à froid? Je fais quoi? Nous, avec It Works, notre fonctionnement, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est nous. OK? Fait qu'on devient le produit du produit. Plus les gens vont vous voir consommer vos produits, plus ils vont voir dans vos stories, plus ils vont voir dans vos publications, plus ils vont voir que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, ils vont vous poser des questions. Puis ça se peut que ça ne vienne pas au début, ça se peut que vous allez avoir des petits curieux, mais c'est important de le faire. Important, je vous le dis, c'est important. Même moi, quand je mets des stories, puis ça fait 4 ans et demi que je fais ça, OK? Quand je mets des stories, puis je mets un sondage, là, je n'ai pas tout le temps du monde qui répond à mes sondages. C'est pas grave. Mais par exemple, la différence entre quelqu'un qui, tu sais, moi, le 4 ans et demi, quand j'ai commencé, puis aujourd'hui, bien, j'ai jamais arrêté de faire ça. Que j'aille des réponses dans mes sondages ou pas, que j'aille des gens qui répondent à mes statuts ou pas, je m'en fous, parce que je sais ce qu'elle vaut ma business. Fait que c'est important d'être constant là-dessus. Montrer que vous utilisez vos produits, je vous le dis. Et choisissez-vous, parce qu'on a beaucoup de produits, hein, on va se dire. Moi, je dis tout le temps à tout le monde, quand vous commencez, choisissez-vous 2 ou 3 produits chouchous. Focussez sur 2-3 produits là, qui viennent vraiment vous chercher. Puis moi, je dis ça parce qu'au début, on veut tout parler de tout. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si vous parlez de tout, les gens vont être mêlés raides. Fait que concentrez-vous sur 2-3 produits. La constance, c'est vraiment là-bas. Attends un peu, il y a Claude qui a dit « peu importe la valeur de leur achat ». Oui, 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 Claude, tu es payé, peu importe la valeur. Fait que même si, mettons, tes 6 premiers clients ont acheté un produit chaque, c'est parfait. Tant que tu as 6 clients qui ont acheté des produits, dans le fond, tout simplement, il faut qu'il y ait des BV associés pour que tu sois payé là-dessus. Fait qu'on fait 15% de commission sur chaque vente qu'on fait au début, sur nos ventes de clients et tout. Puis là, bien, c'est sûr que nos payes augmentent, mais là, ça va être un autre zoom, ça, parce que là, ouf, il va y avoir beaucoup d'informations en même temps. Mais quand on monte en rang, puis qu'on recrute des ambassadeurs, des distributeurs dans notre équipe, bien là, on monte des rangs, puis on monte des sous, puis là, les gens font des sous aussi, puis là, c'est là que ça devient intéressant. Mais là, on va se concentrer, mais oui, peu importe la valeur du produit ou la valeur de leur achat, whatever, tu fais des sous là-dessus. Tu fais des sous, puis ça compte dans tes clients. Fait que c'est-tu clair jusqu'à date? Je parle-tu trop vite? Ça va? OK. Fait que liste de mariage, le fast start. OK. Comment vous allez aller chercher vos clients? Quand j'ai commencé avec Natacha, Paige aussi, quand elle a commencé, vous pouvez vous croire, on n'avait même pas ça, les host posts. On n'avait même pas les host posts. OK. Là, je vais vous expliquer c'est quoi un host post. Vous allez capoter. Quand on a commencé, je vous jure, on contactait des gens à froid. OK? Fait qu'on avait de l'air vraiment des vendeurs typiques de produits. En tout cas, je parle pour moi, là. Mais c'est pas ça qu'on veut avec It Works. Avec It Works, ce qu'on veut, c'est justement, comme je disais tantôt, devenir le produit du produit. Puis que les gens nous trouvent inspirants. On veut que les gens fassent « Oh my God! » Elle, elle croit en sa business, puis elle croit en ses produits, puis elle m'achale pas en m'invitant avec son catalogue, puis ci, puis ça. T'sais, on s'entend que quand on se fait inviter dans des groupes de vente, là, ça nous tente pas tant d'être là. Ça ne nous tente pas. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens soient attirés vers ce qu'on offre. Vraiment. Fait qu'on crée un marketing d'attraction. Donc, les host posts, là,
Ça va vraiment vous aider à faire des ventes rapidement. Fait que vous devez, dès maintenant, vous mettre sur les hausses de poste si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi un hausse de poste? Super simple. Je vais juste un peu. Là, je vais ouvrir des pages. OK. Un peu texte pour hausse de poste. OK. Je vais juste partager mon écran. OK. Ah, oh, Nat, il faut que tu me remettes animatrice, s'il vous plaît. Sinon, je ne peux pas. Ben, dans le fond, je vais vous expliquer rapidement un hausse de poste, c'est quoi? Vous prenez votre liste de contacts Facebook. Vous allez écrire à chaque personne. Et je ne vous niaise pas, là. Okay? Si vous voulez des résultats, vous commencez ça maintenant. Vous allez écrire à chaque personne de vos contacts Facebook. Vous leur demandez de l'aide. De l'aide. Donc, dans le fond, nous, chaque mois, les leaders de l'équipe, on se réunit. On essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait attirer une clientèle, qu'est-ce qui pourrait attirer les gens à nous aider. Les gens, ils aiment ça avoir des cadeaux, les gens aiment ça avoir des concours. Fait que nous, ce qu'on fait, on récompense les gens parce qu'ils nous aident. C'est ça qu'on fait. Fait qu'on s'entend-tu que le monde, là, c'est bien, bien rare qu'ils nous disent non pour nous aider quand ils savent qu'au bout, ils font partie d'un tirage. Fait que vous n'avez même pas à vous casser la tête. Chaque mois, vous avez un cadeau à offrir aux gens qui vous font des hausses de poste. Puis vous n'avez aucun sou à mettre, là, c'est nous qui mettons les sous. Fait que vous pouvez offrir ça à votre réseau à tout le monde. Fait que je vais juste partager votre... je vais partager ça ici. Texte pour hausses de poste. Ça, c'est des idées de texte, OK? Que vous pouvez écrire en privé aux gens que vous avez dans votre réseau. Salut, j'ai vu que tu as commenté ma publication sur mon concours du mois de mai. OK? Comme exemple, ce mois-ci, vous êtes aussi admissible. On fait tirer une machine à crème glacée. OK, excusez-moi. Là. Mais moi, ne pas être dans la business, quelqu'un me contacte, me dit qu'il fait tirer une machine à crème glacée, c'est où que je signe? T'sais? Fait que, honnêtement, gênez-vous pas, les gens vont capoter. Fait que, salut, j'ai vu que tu as commenté ma publication sur mon concours du mois de mai, exemple, sur ma machine à crème glacée que je fais tirer. Il suffit de publier une photo que je t'envoie sur ton mur Facebook. T'aimerais-tu participer? C'est simple, c'est super simple. Si la personne vous dit oui, parfait, voici la photo à publier sur ton mur. S'il vous plaît, ne pas me taguer, je vais m'occuper d'aller répondre aux gens. Parce que là, si les gens vous taguent, ça peut, c'est pas super bon dans l'algorithme. Donc, c'est super simple. Puis ce document-là, au pire, je vais vous l'envoyer après, mais il est dans Témoin de Mission, Marie, si jamais tu le veux. Fait que voilà. Ensuite de ça, allô, j'ai vu que tu as commenté la publication de la perte de poids et le café minceur que telle personne a fait pour moi. Ça, là, c'est les réponses que vous allez écrire aux gens qui ont commenté vos posts. Tout est là. Je vous dis, on a déjà tout fait. Mais ça, c'est le premier step, c'est ça, c'est d'aller demander aux gens de vous donner un coup de main. Fait que je sais que c'est un petit peu complexe au début à comprendre. Un coup qu'on a pogné la twist, on a catché. Je veux juste vous montrer des exemples de hausse de poste que vous pouvez faire. Attendez une minute. Je vais arrêter de partager. Marie, t'en as-tu? T'es-tu capable d'en mettre dans le chat? Parce que moi, je n'étais pas capable. Le taux de participation moyen, Claude, je te dirais, ça dépend. Ça dépend vraiment parce que toi, tu as un nouveau réseau. Moi, exemple, c'est sûr, j'ai un nouveau réseau chaque mois parce que j'ajoute des amis, mais si, puis ça, mais ça fait 4 ans qu'il y a des gens quand même qui me suivent depuis 4 ans et qui savent que je fais ça. Toi, tu as un nouveau réseau. D'après moi, ton taux de participation va être très élevé. Parce que là, ils vont se demander, « Oh my God, que c'est ça, Claude? » Genre, tu te lances dans quoi? C'est quoi ça? C'est donc bien hot! Fait que tu vas voir, là, tu vas être très surpris. Puis les gens, au début, on est un peu gênés. « OK, mais là, je vais aller demander ça, mais je ne suis pas sûre de sa réaction. » Gênez-vous pas. Puis dites-vous que vous le mettez au concours, vous le mettez au tirage du mois. Fait que la personne, là, écoutez, là, c'est pas bien, bien dur. Il prend la photo que vous lui donnez, il met sur son Facebook, c'est fini. Mais vous, ça vous aide. Fait que je vous donne... Attendez, là, je vais vous le montrer comme ça. Marie, là, tu veux que j'envoie dans le fond des textes de hausse de poste, c'est ça que tu veux? Les photos montage, mettons. Tu sais, mettons que la personne... Ah, mais je ne sais pas si je peux les envoyer dans la conversation. Non, mais je peux les envoyer sur nos groupes Facebook, là, oui. Envoie-le sur les groupes Facebook, mais je vais en mettre aussi après, OK? Je vous donne un exemple, un hausse de poste qui fonctionne beaucoup pour moi en ce moment, OK? Fait que mettons, exemple, la personne vous dit, oui, quel texte tu veux que je mette sur mon mur? Qu'est-ce que tu veux que je mette sur mon mur Facebook? J'envoie ça, OK? Puis je vais le mettre dans la convo après, là. Je vais vous le montrer. Qui aimerait perdre 25 livres dans les 3 prochains mois avec un budget de 60 $ par mois? Commande pour info. C'est tout. C'est tout.
Puis là, vous allez vous dire, c'est quoi le budget 60 par mois? Quel produit qu'on a à 60? Le thermofight. OK, c'est ce qu'on met parce que là, on veut perdre une grosse perte de poids. Fait que c'est ce qu'on met de l'avant, mais en privé, après ça, quand on parle aux personnes intéressées, bien, on pose des questions. Est-ce que la personne prend de la médication? Est-ce que combien de poids elle veut perdre vraiment, etc., etc.? Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est juste pour vous dire qu'il peut faire n'importe quel osteopause. Ça, c'est un osteopause. Fait qu'aussitôt que la personne a pris cette image-là, puis qu'elle l'a mis sur son mur Facebook, c'est fait. Elle fait partie du tirage. Fait que c'est aussi simple que ça. Ouais, je vais mettre les osteopauses dans les groupes après Marie, fait que tu pourras les partager. Fait que tu sais, je donne l'exemple avec le thermofight. J'en ai fait un ici pour les Super Reds. Mon ami recherche 4 personnes qui aimeraient perdre quelques kilos et se sentir moins ballonné, intéressé, comment ici, tu sais, garder. Fait que le monde est attiré là, vers des affaires de même. Fait que ce qui arrive, c'est que Claude, exemple que toi, tu fais des osteopauses puis que, je ne sais pas, Chantal, qui est une de tes amies, publie cette photo-là sur son mur. Bien, tous les gens qui vont liker, là, puis commenter parce qu'ils veulent des infos, bien, ça te fait un nouveau réseau. Tu ne connais pas ces gens-là. Fait que c'est tout le temps infini, infini, infini. Plus vous faites d'ostopose, plus votre réseau va s'agrandir, plus vous allez créer des clients potentiels. Ça ne veut pas dire qu'ils signent tout sur le coup, mais ça vous crée tout le temps un réseau. Fait que c'est super important. Super Red fait des ballonnés. Oui, honnêtement, Super Red, Super Green sont dans la même famille un peu. Ça crée les mêmes effets. Sinon, c'est ça. Fait que j'en ai plein. Claude, de toute façon, Noémie, elle pourra te les envoyer. Les autres filles, si jamais vous n'en avez pas, là, on en a fait plein des host-posts. Fait que est-ce que vous comprenez un peu le fonctionnement du host-post? C'est un petit peu compliqué au début. Si jamais il y a une vidéo qu'une autre leader a faite qui explique vraiment étape par étape c'est quoi les host-posts. Si vous voulez voir cette vidéo-là, faites juste écrire à votre leader. Elle va vous identifier dans Team One Mission. C'est une vidéo super claire. Ça va vraiment vous aider pour vos host-posts. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'on va commencer par ça. Parce que moi, au début, il y a beaucoup d'informations, mais je pense que là, vous en avez eu pas mal. Fait qu'on recap le pourquoi. Allez fouiner sur votre e-suite, les CF, les BV, les DT, démêler tout ça. Ensuite de ça, votre liste de mariage. Le fast start. Fait qu'écrivez-vous vraiment vos 6 clients. Là. Écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, vous allez pouvoir les noter. C'est qui vos 6 clients qui ont signé. Vous allez avoir un suivi, puis ça va vous donner un challenge. Puis finalement, les host-posts. Fait que vraiment vous familiariser avec les host-posts, puis bien comprendre le fonctionnement pour rocker ça. Et là, je voulais juste vous montrer, si jamais vous voulez prendre en note vos host-posts, moi, j'utilise ce document-là. Attendez. Je vais partager mon écran. Moi, j'utilise tout le temps ce document-là pour faire mon suivi de host-post. Partager l'écran. OK, est-ce que vous le voyez bien? OK. Fait que moi, ça, c'est le document que j'utilise tout le temps. Mais dans le fond, j'écris tous les noms des gens qui m'ont fait les host-posts. Quand c'est fait, je le coche. Ajoute 5 amis. OK, c'est pas celle à jour. Excuse-moi, c'est pas celle à jour parce qu'on a enlevé ça. Mais c'est pas mauvais d'ajouter 5 amis dans son réseau à elle. Fait que, tu sais, vous allez jouer dans le réseau de tout le monde. C'est super. Suivez-moi de Mission, celle-là qu'il y a, là. Sur Team One Mission, elle est déjà. Celle-là qui est la plus en haut, là, elle est toute upgradée. Il faut aller chercher dans vos fichiers sur Team One Mission. Même Team One Mission, justement, là, vous avez accès à beaucoup plus. Il y en a qu'on parle même pas qui pourraient. Ça pourrait être pour vous, tu sais. C'est juste que nous, on s'en sert pas, mais des fois, comme je disais, trouve ta couleur, trouve tes phrases, tu les modifies à ta façon aussi. Les host-posts, même chose pour les dossiers, tu peux même t'en refaire à ta façon. Les KPI, même chose, tu sais. Exactement. Donc là, moi, je ne parlerai pas, par exemple, de la KPI ce soir parce que, by the way, chaque jour, du lundi au jeudi, MP vous en a parlé un peu, les autres filles aussi, on fait vraiment la KPI qui est notre liste de tâches quotidiennes. Ça sera comme à mettre aussi dans votre to-do. Mais je pense que là, vous allez en avoir pas mal à démêler, vous mettre sur les host-posts, puis starter votre business à fond. Êtes-vous en feu? Les photos des host-posts, on les retrouve où? Katharina, on va toutes vous envoyer ça dans les groupes. On a fait plein de montages. Dans le fond, c'est parce qu'on les fait, tu sais, on fait un peu toutes nos host-posts. Il y a tout le temps comme quelqu'un qui l'aide un peu plus ça. Là. Fait que, genre, votre leader va vous dire qui s'en occupe, sinon on va vous en envoyer. Exactement. Hey, avez-vous des questions? Oui, mais j'en ai au moins une, certain. Ben oui, peut-être, Claude. Host-post. Quelqu'un poste quelque chose que je lui ai envoyé, par exemple, la fameuse machine à crème glacée. Oui.
ses gens à lui ou à elle vont commenter, mais moi, je ne les vois pas systématiquement. Non, c'est pour ça que c'est important de te noter, puis te noter aussi d'aller faire des suivis, d'aller voir sur son mur les commentaires. Parce que tu peux, premièrement, tu peux activer. C'est ça que tu allais dire, MP? Oui, exact. On peut enregistrer la publication puis faire un dossier, dans le fond. Quand il pose quelque chose, tu as les trois petits points en haut, tu vas cliquer là-dessus, puis il va être écrit « Enregistrer la publication ». Donc, tu cliques là-dessus, et là, tu vas avoir soit des albums déjà enregistrés. Si tu ne l'as jamais fait, il va être écrit « Créer un dossier » ou je ne sais pas trop, il va être écrit « Créer un album ». Tu vas cliquer sur « Créer un album ». Puis à partir de là, moi, j'écris « À chaque mois, je change », puisque c'est des concours à chaque fois. Fait que j'ai le temps comme « App », H-A-P pour « Host Post », avril, app, mai. Fait que je les mets là-dedans. Donc, quand les personnes commentent, ça me donne des notifications. Tu peux activer les notifications. C'est juste que des fois, le monde, il y en a qui sont plus papier. Au début, moi, c'était tout papier. J'ai rempli un cahier. Puis, un jour, j'ai fait, Chris, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai commencé à enregistrer mes publications. Puis, à ce moment-là, on reçoit en plus des notifications quand les gens commentent. Sinon, tu vas quand même faire un round-through pour être sûr que tu n'as pas passé par-dessus certains commentaires. C'est un bon point parce que, justement, tout est plus virtuel. Mais moi, mettons, mais on se pose depuis le jour 1, j'ai écrit. Tu sais, c'est niaiseux. Là. Je passe sûrement plus de temps, là, mais c'est de même, j'aime plus le papier, mettons. Mais fait que tu as différentes options. Claude, soit que tu les prends en note ou comme tu fais comme Marc-Pierre, tu les enregistres et tu vas activer les notifications. Fait que tu vas tout en voir quand il y a un nouveau commentaire. Super important, quand quelqu'un commente le host post, on l'ajoute dans ses amis. Super important parce que là, vous voulez que cette personne-là reste dans votre réseau, qu'elle voit vos produits, qu'elle vous voit aller, etc. Fait que c'est le même. C'est vraiment ça, quand je vous disais le marketing d'attraction, c'est comme ça. Constamment, constamment, constamment. Puis les gens nous voient, puis ils sont attirés vers ce qu'on offre. That's it. OK. Ben, moi, j'ai toujours vu ça un peu différemment parce que j'ai toujours pensé que de solliciter des gens par Facebook, c'était l'équivalent de passer des flyers d'un boîte à mal. Non, honnêtement, c'est pas mal moins pire. Oui, non, mais je veux dire, dans le sens que les gens, ben, tu sais, à un moment donné, si on est, ben, parce qu'on est quand même plusieurs dans HateWorks, là, d'après ce que je peux voir, on poste à peu près toute la même chose. Fait que les gens, j'imagine, à un moment donné, ils nous voient venir un peu, puis il y en a qui vont venir. C'est pourquoi il faut trouver notre couleur aussi, tu sais. Oui, mais tu vas être surpris. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui me disent ça, Claude. Sais-tu quoi? Ça dépend tellement de comment tu vas faire ton marketing. Parce que oui, on offre tous les mêmes produits. Oui, on a tous la même business. Mais moi, de la manière que j'apporte ma business, c'est zéro la même manière que Marc-Pierre. Oui, parce que je remarque aussi qu'on ne nomme pas le nom HateWork. Non. Ça me fait penser à, tu sais, quand on fait de la sollicitation de personne en personne par téléphone, c'est un peu le même principe. On ne dévoile pas nos punchs tout de suite. On veut une rencontre. On veut avoir l'occasion d'expliquer ce qu'on a à offrir. Puis là, à partir de là, parce que quand tu fais une invitation Facebook ou Internet, c'est moi, pour moi, ça me paraît, peut-être parce que je suis vieux aussi, là, ça me paraît moins personnalisé, moins, comment je dirais ça, friendly. Ben, tu sais, c'est le fun parce qu'on a, j'ai pas loin de 1000 amis Facebook. Là. Ben là, wow. Mais c'est pas tous des amis proches. Tu sais, il y en a qui sont là-dedans, c'est des connaissances. Puis il y en a même c'est des connaissances de mes connaissances. Je ne les connais pas toutes, puis j'aime l'approche, j'ai toujours aimé l'approche directe, c'est-à-dire prendre le téléphone, appel, puis Facebook, tu sais, je pense que c'est, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, là. C'est bon pour appeler un client parce qu'on n'a plus de numéro de téléphone de bottin comme avant. Non. C'est difficile. Mais c'est quoi, Claude? Je pense que ça dépend beaucoup de comment tu vas la builder, ta business. Parce qu'il y en a, si tu veux la faire par téléphone, ta business, fais-la par téléphone. Oui. Tu comprends? Moi, tu sais, mettons, si tu veux la faire en personne, s'il y en a qui veulent faire des démos, comme celles qui font des démos, Marie-Kay, fais-les tes démos. C'est que là, on est en COVID, puis il faut comprendre aussi qu'on est en 2021 puis qu'on s'en va vers ça. Mais je comprends totalement ton point de vue. Mais si toi, tu dis, moi, je vais appeler mes amis, puis je vais me faire référer, puis ça va être du bouche à oreille. Bien, si tu penses que c'est ça ta business, bien, fais-la de même parce que c'est de même que ça va fonctionner. Moi, ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Puis je pense que ben, tu as raison à un certain point, puis peut-être que toi, tu vas l'amener autrement. C'est la beauté de cette chose-là. Ouais. C'est qu'on build It Works de manière différente, comme Marie disait. Même chose, notre branding, sur notre page, c'est tout différent comment on le fait. C'est ça qui fait notre différence, It Works, c'est qu'on est tous on est le produit de notre produit, finalement. Oui. T'as une vieille expression. C'est ça. Mais je pense que c'est ça l'importance de tout ça. Non, t'sais. Mais puis Claude, si je peux rajouter, je veux juste te dire, il y a une fille dans l'équipe à Natacha, OK, quand elle a commencé, elle faisait 100% des appels. Tout le temps. Au moins la première approche. Bien, c'est parfait.
Si toi, c'est ça qui te colle à la peau, go! Tu gères ta business comme tu veux. Ben, je pense qu'on fait ça comme on aimerait aussi être approché. T'sais. Moi, ben oui. Si quelqu'un m'approche, j'aime bien avoir un contact là, réel. Un texto, ben, premièrement, je suis, c'est sûr que j'en fais des textos à cette heure, je n'ai pas le choix. La jeunesse est là, j'ai 36 ans moi aussi, un peu comme vous autres. Mais US. Okay, ah, c'est 36 ans US! C'est certain que j'ai une façon de... Tu sais, j'étais un peu de la vieille école, si tu veux. J'ai toujours aimé. Premier contact, là, appelle-moi, puis après ça, si tu veux me présenter quelque chose en Zoom, pas de trouble. Là. Mais le premier contact, là, envoie-moi pas un texto, mais dans un phénomène, c'est à peu près sûr qu'il s'en va dans la poubelle. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est moi. C'est pas ben, tout tu vas attirer des gens comme ça, puis c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme les distributeurs. Quand tu vas enrôler un distributeur, ça va tout le temps être quelqu'un qui te ressemble un peu. C'est les gens qui te collent à la peau. Fait que c'est ça qui est malade. Puis je suis vraiment contente que tu sois là, même. C'est pour ça que je t'ai dit. Ça va amener une autre dynamique aussi à tout ça. C'est extraordinaire. Je te disais tout à l'heure, je suis vert là, selon les quatre couleurs. Là. Ouais. Mais c'est une réalité parce que j'aime comprendre. Tu sais, avant de dire, ben go, on y va, j'aime savoir, premièrement, puis on s'en cache pas, on ne fait pas ça pour les bonnes œuvres du frère André. Là. On veut faire de l'argent. Ouais. Si on veut faire de l'argent, on doit comprendre comment on peut le faire, tu sais, comment on va y arriver. Puis c'est quoi les outils? Là, j'ai vu le site web, j'ai vu eSuite. Sweet Madame Blue. En tout cas, j'ai vu ça, comment ça fonctionne. Il y a du stock là-dedans en masse. Il y a des outils sont là. Tu vas avoir du fun, Claude. On va te tenir occupé, nous autres. Ouais. C'est sûr que c'est très féminin comme concept, mais bon, il y a des affaires qui s'adressent aux gars quand même. Ah, ben oui. Absolument. Il y a quoi, 27... Les gars, ils diront pas, là, mais ça en boit du collagène, t'as le jeu. Ben oui. Ouais. J'en ai plein qui m'en achètent. Oui. Je vais juste éteindre l'enregistrement. Au pire, c'est parfait. Oui, on va terminer. OK.